Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver enfin en vidéo. Et bien justement, dans celle-ci, qui va durer une quinzaine de minutes, nous allons voir ensemble comment créer vos propres émissions, vos propres podcasts, audio ou vidéo, sur Internet. À titre personnel comme professionnel, on va voir les grandes lignes, les erreurs à ne surtout pas commettre et tous les points clés pour que cela soit un véritable succès. Alors vous qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être un particulier, vous êtes peut-être un étudiant ou carrément dans le milieu professionnel, vous êtes un journaliste, une association à but non lucratif, une petite entreprise ou carrément un grand groupe et vous avez tout simplement envie de vous exprimer sur la plus grande plateforme de contenu au monde, Internet. Alors vous exprimer, mais pas simplement déverser un message, mais aussi vous connecter aux personnes qui partagent peut-être la même passion, peut-être à des clients, et d'une certaine manière, tout simplement devenir votre propre média, devenir votre propre chaîne de télévision ou devenir votre propre radio. Le podcast, encore plus quand il est vidéo, est l'une des manières les plus puissantes aujourd'hui pour communiquer sur Internet et pour diffuser un message. Bien justement, ensemble, nous allons voir comment faire les vôtres. Alors, animer un podcast, ce que je suis en train de faire, vidéo ou même en audio, c'est un peu comme concevoir un blog ou un site internet. C'est-à-dire que c'est plutôt aisé, il y a des centaines d'outils. Aujourd'hui même, quand vous achetez un ordinateur, il y a déjà un logiciel dedans qui vous permet de monter des vidéos d'une manière quasiment semi-professionnelle ou d'une tout simplement très proprement. Aujourd'hui, même avec un simple téléphone portable, vous pouvez faire de la vidéo en Full HD. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très aisé. On a vraiment du matériel un peu partout et pas très cher qui nous permet tout simplement de créer. Mais comme un site internet ou un blog, comme vous pouvez l'entendre, les scooters sont toujours là. On a beau changer de ville, il y en a toujours. Eh bien, peu importe que ce soit très aisé ou très facile, comme un blog ou un site internet, le plus difficile c'est d'être régulier. Vous pouvez faire un super site internet ou un super blog, si vous postez plein d'articles, puis d'un coup vous vous arrêtez, puis vous recommencez, puis au final vous l'arrêtez, voilà. Le plus dur en podcast ou pour un site internet, c'est arriver à être régulier, arriver à trouver le temps. Et c'est aussi ce qui va faire que votre podcast, que votre émission soit connue et tout simplement reconnue dans son domaine. Vous avez beau faire la plus belle émission avec la meilleure caméra, le meilleur éclairage, le meilleur son, si vous n'êtes pas régulier dans vos sorties, il y a peu de chances qu'elles deviennent populaires. Ou au moins, vous pourrez prouver que vous savez le faire, mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup de popularité. Si vous êtes justement seul aux commandes, ne vous fixez pas des limites impossibles. C'est-à-dire, n'essayez pas de faire une émission de télé tous les soirs à 20h ou des choses comme ça qui sont extrêmement difficiles et extrêmement chronophages. Commencez modestement. Quitte à un petit peu tâter le terrain, quitte à tester, dites-vous, je ne sais pas, un épisode tous les 20 jours, c'est parfait. Et réduisez le délai petit à petit en fonction de comment vous sentez les choses, en fonction du travail que ça demande, en fonction des retours que vous avez dessus. Le but, c'est de trouver le bon équilibre. N'essayez pas de copier la télévision ou la radio ou d'autres podcasts qui ont, eux, un peu plus de temps ou plus de moyens. Commencez modestement, trouvez votre équilibre et réduisez petit à petit. La première chose que va vous apporter le podcast, c'est de la reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est quelque chose dont on est toujours très avare, quelque chose dont on a besoin pour avancer la plupart du temps. Et vous allez peut-être passer plusieurs longues heures à concevoir votre premier épisode de podcast ou quand vous allez en recommencer un autre. À chaque fois, on a l'impression de recommencer de zéro quasiment. Vous allez passer du temps pour la lumière, vous allez passer du temps pour l'éclairage, vous allez passer du temps au montage. Bref, ça va être beaucoup de travail et beaucoup de découvertes. Et lorsque vous allez le diffuser pour la première fois, ne vous attendez surtout pas à ce que les gens vous envoient des fleurs, des chocolats ou plus simplement des compliments. Au contraire, en tant qu'auditeur, en tant que spectateur de ce que vous avez créé, d'une, ils n'auront absolument pas conscience de tout le travail que vous avez dû faire pour arriver à ce résultat, et c'est pas ce qu'on leur demande, c'est des gens qui regardent simplement. Deuxième chose, ils vont mettre, encore plus s'ils sont français, ils vont mettre en avant tout ce qui ne va pas dans votre podcast. Tous les petits défauts, la lumière, votre expression, votre manière de tenir, votre manière de regarder la caméra. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas les gens qui regardent leurs fiches ou autres. Ils veulent qu'on les regarde dans les yeux quand ils regardent eux-mêmes cette vidéo.
Voilà, ils vont mettre en évidence, avec des gros spots, toutes les choses qui ne vont pas dans votre podcast. Ça va être un peu un baptême du feu. Alors, c'est très difficile pour l'ego, pour l'égocentricité, on en a tous un petit peu, certains plus que d'autres, mais c'est très difficile à gérer, tout simplement il faut l'accepter. Il faut se dire que voilà, les gens qui regrettent quelque chose de nouveau, la première chose qu'ils vont avoir envie, c'est de critiquer tous les points négatifs. Prenez-le du bon côté. C'est le meilleur moyen d'affiner et de régler tous les petits défauts que même vous, vous n'avez pas vu au moment de tourner, au moment de monter votre podcast. Et durant les 3, 4, 5 premiers épisodes, vous allez pouvoir corriger tous ces petits défauts et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les gens vont commencer à vous complimenter. Pourquoi ? Parce que d'une, vous aurez passé un peu l'épreuve des critiques. Vous aurez montré que vous êtes ouvert à la discussion et que vous êtes capable d'évoluer et de régler tous les petits défauts. Donc les gens, ils vont voir ça, ils vont le sentir inconsciemment, ils vont voir la chose évoluer très rapidement, ils vont voir les défauts être réglés et d'une certaine manière, ils auront l'impression, et c'est le cas, d'y avoir contribué. En laissant un petit message sur votre Facebook ou un petit message sur Twitter, ils vont vous dire « Ah tiens, j'ai remarqué ce petite chose qui pourrait améliorer ton podcast. » Et l'épisode suivant, ils voient que vous avez pris en compte leur remarque. Donc, c'est un truc absolument formidable qui n'est pas possible en radio et en télévision, c'est de pouvoir modifier d'une manière totalement libre votre émission constamment. Et les gens ont l'impression d'y participer. Ils ont l'impression de regarder quelque chose où ils se disent d'une certaine manière, à l'échelle de 1%, j'y ai participé. C'est ce sentiment d'appartenance qui est absolument génial. Donc, il faut mettre un peu de côté son ego, il faut tester des nouvelles choses, il faut rester ouverte, il faut se dire, je vais diffuser un truc, je vais me prendre que des remarques. Voilà, vous allez avoir toutes les remarques des gens, eux dans leur coin, ils vont juste balancer la leur. Mais vous allez les voir, elles vont s'accumuler et il faut arriver à gérer ça, il faut arriver à se dire que c'est normal. Et il faut se dire que dans les 3-4 premiers épisodes, vous allez pouvoir améliorer et corriger tout ça avec les gens qui vous regardent. L'autre chose que va vous apporter le podcast, c'est les rencontres. Alors les rencontres, ça c'est absolument parfois, ça peut être porteur de très mauvaises choses ou absolument fantastique. Il y a toujours les deux dans la vie, quel que soit le domaine. Si vous arrivez à avoir une bonne régularité, que votre podcast commence à se faire connaître et qu'en plus vous arrivez à utiliser habilement les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, tous les autres, afin d'échanger et de discuter avec les gens, vous allez forcément faire des rencontres. Ça peut être des auditeurs passionnés qui habitent près de chez vous, tout simplement. Ça peut être des professionnels du milieu qui vont vous inviter dans leurs entreprises, ou des professionnels des médias qui vont vous inviter dans des émissions, qui vont vous inviter à assister ou à participer. Ça peut être d'autres podcasts, bref. Vous allez faire des rencontres. Si vous montrez que vous êtes ouvert, si vous montrez que vous passez du temps et que vous discutez avec les gens, c'est généralement la chose qu'on oublie. D'autant plus les professionnels qui ont l'habitude de diffuser un média et qui n'attendent que des retours, qui ne veulent pas passer du temps à parler, à discuter avec les gens, à connaître leurs problèmes, à voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Il faut absolument le faire. Il faut participer. C'est un échange constant. Attention toutefois, petit bémol, aux grosses sociétés du domaine dont vous allez parler. C'est-à-dire, si vous faites un podcast humoristique sur le high-tech, sur la beauté, sur l'automobile, sur l'écologie, peu importe le domaine, la politique ou autre, faites attention aux lobbies, aux gens qui vont faire des pressions, aux gens, pressions indirectes ou directes, qui vont essayer que vous parliez de leurs produits positivement, qui vont essayer de vous avoir un petit peu comme ça. Il y a beaucoup de scooters. Il faut faire très attention à ces grandes firmes qui vont essayer de vous inviter, qui vont essayer de vous draguer, ou même aux petites sociétés de production qui vont essayer de récupérer votre contenu parce que, effectivement, si votre contenu est populaire, il y a des gens qui veulent en tirer des avantages, qui vont essayer de le reprendre pour le mettre sur leur site et essayer de mettre de la publicité par-dessus sans trop vous rémunérer ou avec des montages un peu compliqués. Et il va falloir parler d'eux ou mettre leur logo en début de votre podcast. C'est pas bon. On verra après pourquoi c'est pas bon. Bref, il faut faire attention aux gens qui vont essayer de récupérer votre contenu et essayer de l'exploiter et au final que ce soit que gagnant pour eux et très perdant pour vous. Troisième chose que va vous apporter le podcast, c'est la notoriété et la joie tout simplement d'enregistrer. C'est-à-dire que petit à petit, avec la régularité, avec la passion, avec les discussions que vous allez avoir avec les gens, vous allez prouver aux gens d'une certaine manière que vous êtes compétent
dans ce domaine. Quel que soit le domaine, encore une fois, beauté, high-tech, écologie, si vous montrez constamment que vous êtes ouvert à la discussion, que vous avez un avis complet sur les choses, que vous êtes tout d'un coup, que quelqu'un vous met en avant un élément auquel vous n'avez pas pensé, que vous arrivez à l'intégrer dans votre émission, vous allez tout simplement avoir une notoriété, montrer que c'est vous la référence, l'une des références dans ce domaine, et à partir de ce moment-là, vous allez petit à petit, alors c'est quelque chose de très sensible, petit à petit, vous allez avoir une notoriété, et du jour au lendemain, elle peut disparaître. Si tout d'un coup, vous mentez, vous parlez d'un produit parce qu'une grande firme vous l'a offert ou essaye de vous offrir des cadeaux et vous allez dire qu'il est bien alors qu'il est pourri, votre notoriété, elle dégage. Si vous essayez de tromper les gens à un moment, de leur vendre d'un truc ou que vous essayez d'avoir un avis pas complet ou très subjectif, bref, la notoriété se gagne petit à petit en échangeant, en essayant toujours d'avoir le meilleur avis, en essayant d'aller toujours vers le mieux, et elle peut disparaître du jour au lendemain. Donc ça, c'est la notoriété. Et effectivement, plus on a une notoriété, plus on va être invité, plus on va être exposé, plus ça va être difficile justement de la conserver, parce qu'il y a des gens qui vont essayer d'en profiter, comme je le disais juste avant, avec les grandes sociétés et ces petites sociétés de production. Donc ça, la notoriété, faites-y très attention parce qu'elle peut disparaître du jour au lendemain. Votre popularité, le nombre de gens qui vous regardent, il peut rester constant, mais si ce que vous dites n'a aucune valeur, ou qu'on sait en regardant, de toute façon, lui, il est sponsorisé, les gens continuent à vous regarder, mais votre notoriété n'existe plus. Votre voix, ce que vous avez à dire, n'a plus de poids dans l'oreille des gens. Voilà. Et bien sûr, les joies d'enregistrer, c'est-à-dire que c'est une chose très très difficile de s'enregistrer, de parler à une caméra, de mettre tous les éléments, de monter, de diffuser, ça prend énormément de temps. Bien, petit à petit, vous allez prendre l'habitude. Vous allez savoir qu'en posant votre caméra là, elle va renvoyer telle image, qu'en la posant là, ça va être différent, qu'en la posant au-dessus, ça va être... Voilà. Vous allez arriver, vous allez pouvoir tout mettre en place. Vous allez pouvoir vous tout simplement tourner, monter, ça va devenir un petit peu un plaisir parce que vous allez pouvoir jouer avec les animations, avec les trucs qui partent, qui viennent, bref. Vous allez maîtriser un peu la chaîne de conception, donc ça va devenir tout simplement un plaisir, ça va devenir votre passion. Et de cette manière, vous allez faire partie du petit monde à part entière, et en pleine expansion, des podcasteurs ou des youtubeurs, des gens qui s'enregistrent de manière auditive ou de manière vidéo et qui le mettent à disposition sur Internet. Voilà, il y en a de plus en plus. Souvent des très jeunes, parfois un petit peu des anciens qui essayent de reproduire la télévision et qui malheureusement n'y arrivent pas. Bien sûr, il ne faut pas essayer de concurrencer d'autres médias. Mais enfin voilà, c'est un petit monde à part entière. Il y en a qui explosent, qui font des cartons avec des millions de vues. Il y en a d'autres qui stagnent à quelques milliers de vues. Voilà, vous allez faire partie de ce petit monde. Je vous souhaite sincèrement, si vous vous y mettez, d'y trouver le même plaisir que j'ai pu moi-même découvrir, de faire des rencontres parfois très surprenantes et parfois extrêmement agréables, et de vivre tout simplement une expérience qui était jusqu'à présent inconcevable, c'est devenir votre propre média. À titre personnel comme professionnel, devenir votre propre chaîne de télévision, devenir votre propre radio. Voilà. Jusqu'à encore quelques années, même dans les années début 2000, c'était quasiment inconcevable de se dire je vais faire ma propre chaîne de télévision. Aujourd'hui c'est possible, aujourd'hui ça coûte quasiment plus rien et vous pouvez être vu par des millions de personnes si vous vous démerdez bien et tout simplement y trouver votre plaisir, votre bonheur. Les 6 points clés absolument à toujours avoir en tête pour que votre podcast soit un succès. Le premier, ça va tout simplement être exigeant avec vous-même. Que ce soit à titre dans votre vie personnelle ou dans quand vous faites un podcast, il faut être exigeant. Il ne faut pas hésiter à tout jeter. Il ne faut pas hésiter à dire merde aux gens avec qui vous bossez parce qu'ils bossent mal. Il ne faut pas hésiter à leur dire, il ne faut pas hésiter à constamment chercher à faire mieux. Il faut être très exigeant, tout simplement. Voilà, c'est si vous n'êtes pas exigeant avec vous-même, si vous concevez un truc et qu'au bout de 2 heures ça vous fait chier ou que vous dites oh, j'ai pas envie de me faire chier avec la lumière et que c'est dégueulasse ou que le son est dégueulasse et que vous balancez ça, bah forcément les gens qui regardent ça, ils le ressentent, font ouais bah c'est pas top ou le son est pourri, je dégage. Donc voilà, il faut être très exigeant avec vous-même. C'est une passion qui demande beaucoup d'exigence. Un peu comme certains sports, vous pouvez faire du foot sur un terrain une demi-heure toutes les semaines, ça peut être une passion, oui. Après, effectivement, si vous voulez monter en gamme, il faut y passer plus de temps, il faut lire, il faut écrire, il faut parler de ce sujet, il faut aller rencontrer des gens, il faut y passer du temps, il faut surtout être exigeant. Deuxième point, on l'a vu juste avant, c'est la régularité. Si vous voulez, ça forme une voûte. Et la clé de voûte, c'est la régularité. Vous pouvez avoir le meilleur matos, le meilleur éclairage, le meilleur montage.
si vous n'avez pas cette clé de voûte de la régularité, il y a peu de chances que ça devienne très populaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous faites un podcast et que vous le diffusez sur Internet, les gens vont donner une partie de leur temps pour le regarder. Et les gens, quand ils regardent une vidéo sur Internet, c'est pour, d'une certaine manière, ressentir un plaisir. Alors, il y a différents types de plaisir. Ça peut être un plaisir ludique, ça peut être un plaisir de divertissement, ça peut être toute forme de plaisir, mais ils vont passer du temps et prendre du plaisir à vous regarder. Cette régularité, vous pouvez l'offrir en podcast parce que vous concevez une émission autour d'un sujet, autour d'une thématique, et vous pouvez donner rendez-vous aux gens. Tous les 15 jours, le dimanche, toutes les semaines, le lundi, tous les premiers de chaque mois. Et donc les gens, inconsciemment, ils vont se dire, à cette date et toutes les prochaines dates, je vais pouvoir m'arrêter et prendre du plaisir. Donc d'une certaine manière, ils vont vous confier une partie de leur temps, une partie de leur plaisir. Et c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est se dire qu'il y a plein de gens qui à un moment donné s'arrêtent et vous regardent et ressentent un plaisir. Et à partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas régulier, ils ne peuvent pas dans leur tête se dire que tous les dimanches, que à chaque date qu'ils auront prévue, inconsciemment ou consciemment, ils vont ressentir cette dose de plaisir. Et si vous ne leur dites pas à l'avance que vous annulez votre émission, que vous allez changer juste d'un jour ou autre, il peut y avoir des frictions, ça se ressent naturellement dans la manière dont les gens vont s'exprimer. Pourquoi tu sors pas ça et quand est-ce qu'il arrive et machin. Voilà, les gens veulent leur dose de plaisir, ils veulent leur carreau de chocolat. Et c'est vous qui allez leur donner parce que vous avez cette compétence à créer vos propres émissions. Donc la régularité et la politesse, tout simplement, quand vous n'arrivez pas à sortir à la date prévue ou que vous décalez, vont faire que vous allez pouvoir donner cette petite dose, ce petit carreau de chocolat, comme j'aime à l'appeler, aux gens. Voilà, tout simplement. La régularité, clé de voûte de votre podcast. Troisième point, préparez vos sujets au maximum. C'est-à-dire que si vous arrivez, même si vous êtes le cador dans votre domaine, beauté, high-tech, automobile ou autre, et que vous arrivez et que votre podcast il n'est pas préparé, d'une, vous allez être mal à l'aise, vous allez souvent bouger, vous n'allez pas savoir où mettre vos mains, vous allez souvent faire des à chaque virgule de phrase, bref. Ça va pas être plaisant de vous regarder ni de vous écouter. Donc il y a toujours des gens qui vont vous regarder, qui vont commenter autre, ça va être un petit peu des puristes. Mais si vous voulez, votre message ne sera pas transmis au plus grand nombre, ne sera pas agréable à regarder. Votre cheminement sera difficile, voire houleux. Vous allez devoir vous reprendre, revenir en arrière. Bref, quand on a fini de regarder la vidéo, on peut avoir appris des choses ou autre, mais les gens retiendront beaucoup moins que ce que vous avez dit. Ça va être beaucoup plus fouillis. Il y a des gens qui vont l'interpréter d'une autre manière et vous allez perdre du temps à leur expliquer dans les commentaires. Bref. Préparez au maximum, écrivez, faites un cheminement logique. Ça vous impose absolument pas de mettre du vivant, de mettre des blagues, de mettre des hop, de mettre des de la touche humaine tout simplement. Mais à tout moment, vous savez que vous pouvez regarder quelque chose, raccrocher un fil conducteur et passer à la suite d'une manière logique, d'une manière complète. Et les gens comprendront beaucoup mieux ce que vous avez à dire. Quatrième point, c'est toujours chercher la meilleure qualité. Vous voyez, j'ai regardé l'écran, j'étais dans un moment un petit peu de panique, je ne savais plus ce que j'avais à dire, j'ai simplement regardé l'écran, je sais où j'en suis, je peux continuer et arriver à terme de cette émission et vous délivrer un message. Voilà, c'est la préparation. Toujours chercher la meilleure qualité, ça peut être le son, ça peut être l'image, ça peut être l'éclairage, ça peut être le cadre, cadre naturel, c'est magnifique. Alors bien sûr, le plus simple, c'est de se le faire chez soi. Après, il y en a qui essayent d'imiter la télévision en faisant des décors en carton-pâte. Ça fait plus TV cheap du câble. Bon, vaut mieux voir un salon, un truc cool, enfin l'impression d'être chez les gens, plutôt que d'avoir du carton-pâte et essayer d'aller draguer la télévision. Voilà. Décor naturel, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce qu'il faut le faire en extérieur, parce qu'il y a le temps, parce qu'il y a les gens qui passent en scooter, qui passent l'aspirateur, etc. Mais toujours à la recherche de la meilleure qualité. Après, effectivement, il y a toujours un budget. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous pouvez trouver des adaptateurs pour le fixer à un trépied, pour l'objectif, bref, pour mettre un micro dessus et avoir une bonne qualité de son, et avec un budget très restreint, vous pouvez arriver à quelque chose. Mais il faut être ingénieux. C'est certainement pas à la FNAC que vous allez trouver tout ce genre d'équipement. Donc il faut être ingénieux, il faut chercher sur Internet, etc. Autre point pour rechercher la meilleure qualité, c'est l'angle d'attaque du sujet. Lorsque vous allez traiter un sujet, peu importe, beauté, high-tech, etc., il y a forcément des angles d'attaque. Positifs, négatifs, plus subjectifs, plus objectifs, etc. Et par exemple, quand vous avez une news à traiter, si vous vous contentez simplement de lire
une dépêche de journaliste, de la reprendre, de la synthétiser et de la dire, ça n'a pas forcément grand intérêt. Il y a des gens qui peuvent apprécier, mais si vous faites que répéter ce que d'autres ont répété, pourquoi pas? Mais la meilleure chose à faire, si vous voulez vraiment engager la conversation, vraiment amener une valeur ajoutée, vous avez une actualité. Elle a été diffusée sur plusieurs sites. Donc, elle a été traitée par différents journalistes qui n'ont pas forcément le même point de vue et qui ne s'adressent pas forcément à la même cible. Le simple fait de lire les différentes versions va vous donner du recul. Passez du temps à lire les commentaires des gens de chaque site va vous montrer les réactions qu'ont les différents publics à cette actualité. Il y a des gens qui vont être pro, il y a des gens qui vont être contre, il y a des gens qui vont être neutres, il y a des gens qui vont être complètement à côté de la plaque, il y a des gens qui vont être sarcastiques et qui vont vous donner des éléments pour faire de l'humour sur cette news. Très important l'humour, pour passer des messages. Et donc le simple fait, pour une même actualité, de lire différentes versions, de regarder les réactions, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ça va vous donner une vue d'ensemble. D'une, vous allez savoir comment aborder cette news de manière humoristique, de manière sérieuse, de manière un petit peu sarcastique. Et en plus, vous allez déjà voir des réactions de différentes personnes, pour, contre, et vous allez au mieux savoir les engager. C'est-à-dire que si vous lisez des commentaires de gens qui sont contre, alors que vous, vous êtes pour, vous allez voir leur manière de penser, leur manière de réfléchir et comment il faut leur parler, comment il faut aborder le sujet pour justement transformer leur avis négatif en positif comme le vôtre. Donc voilà, c'est tout ce cheminement psychologique qui vous permet que même une petite actualité de quelques lignes que vous mettez 30 secondes à dire, vous pouvez l'aborder d'une manière médiane. De cette manière, vous avez un avis médian sur les choses. Vous avez tous les points de vue, vous pouvez jauger au mieux et à partir de ce moment-là, vous pouvez aborder votre petite actualité d'une manière médiane. Voilà. Ça ne vous empêche absolument pas de prendre le produit et de dire c'est de la merde. Mais de cette manière-là, vous pouvez avoir votre avis tranché et vous pouvez le transmettre et vous pouvez expliquer pourquoi vous avez cet avis-là. Et pas simplement prendre un dire un truc, je pense que c'est de la merde parce que quand je l'ai testé hier, dans la rue, ça n'a pas marché. Cool story, bro. Bah là, justement, en ayant un avis médian, en ayant vu tout ça, vous allez pouvoir avoir un avis complet. Et c'est ce qui va, d'une certaine manière, vous apporter cette notoriété, cette ouverture d'esprit. Voilà, donc ça, c'est toujours rechercher la meilleure qualité. Vous voyez que je me raccroche à ce que j'ai écrit. Cinquième point, c'est enregistrer avec passion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous sentir obligé. Si vous vous levez le matin, qu'il vous arrive une tuile, et que vous allez mal psychologiquement ou autre, et que vous devez enregistrer, vous allez commencer à tirer cette gueule, vous allez avoir les traits tirés au niveau du front, vous allez vous forcer à sourire. Bref, ça va pas forcément être super cool à regarder. Pourquoi? Parce que vous allez concevoir quelque chose avec du négatif dedans. Ce négatif, vous allez l'envoyer, vous allez le mettre à disposition sur Internet. Et chaque personne qui regarde du négatif a envie de renvoyer du négatif. C'est quelque chose qui est très désagréable. Quand quelqu'un vient vous voir de manière très énervée ou que vous sentez qu'il y a un problème, vous avez envie de lui renvoyer ça. Ce qui fait que vous allez enregistrer un truc que vous n'avez pas envie de faire, vous allez l'envoyer sur Internet et tous les gens vont vous commenter de manière plus ou moins négative. Ouais, je t'ai trouvé moins cool. Ouais, t'as traité ce sujet de manière très subjective. T'es tout le temps négatif. Bref, ils vont vous renvoyer du négatif. Donc, enregistrez avec passion. Ne le faites pas par obligation. Alors bien sûr, c'est un peu plus compliqué quand on le fait dans un domaine professionnel. Il faut un petit peu se cadrer, il faut mettre de côté ce qui ne va pas dans la vie. Mais il faut toujours avoir envie d'enregistrer, avoir envie de filmer de belles choses, avoir envie de transmettre un message. Faut avoir envie, faut enregistrer avec passion. Si vous n'avez pas cette passion, le faites pas parce que... Ou alors faites-le, mais vous allez arrêter au bout de quelques épisodes. Dernier point, on va arriver à la fin. Être à l'écoute de vos auditeurs, des remarques, des critiques, tout en restant intègre. C'est-à-dire que lorsque vous allez diffuser vos émissions, il y a des gens qui vont vouloir... Vous entendez les cloches? Il est l'admis. Au moment d'enregistrer, bien sûr. Lorsque vous allez enregistrer et diffuser votre émission, il y a des gens qui vont vouloir la changer. Ils ont besoin de ça. Ils vont vous dire « Ouais, pourquoi tu t'habilles pas comme ça ?»« Ah ouais, tiens, tu devrais te coiffer comme ça. »« Ouais, peut-être que tu devrais plutôt... ton podcast, il devrait durer plutôt une demi-heure. » Parce que là, 10 minutes, c'est pas assez. « Pourquoi tu le sors pas à telle date ?»« Parce que moi, ça m'arrange, tu comprends, je suis au boulot et puis je peux... » Voilà, vous allez avoir plein de remarques comme ça. Ou même carrément « Mais pourquoi tu parles pas de ça et pourquoi tu parles pas de ça ?» Bref, vous allez pouvoir entendre ces remarques, mais il faut avoir défini votre périmètre de sujet.
Alors, vous pouvez l'étendre, vous pouvez... Mais il faut définir quelque chose. Il faut définir votre cadre. Il faut dire, voilà, mon podcast, c'est ça. Mon podcast va durer tant de temps. Mon podcast, j'y parle comme ça. Je peux y parler avec un langage très courtois en disant que ce produit n'est pas forcément celui que je cherchais. Ou alors, je peux décider de dire, ce produit, c'est clairement de la merde. Et il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais c'est pas très poli, machin, mais ça me correspond pas. Si ça te correspond pas, va voir ailleurs. Voilà. Il ne faut pas hésiter à être intègre, à comprendre les gens, à écouter leurs demandes, à écouter leurs critiques, leurs remarques, mais à toujours regarder à côté en disant, voilà, j'ai défini ce cadre, est-ce que c'est cohérent si je fais rentrer cette remarque dans ce cadre? Beaucoup de fois, on se dit non. Et beaucoup de fois, on se rend compte que c'est des gens qui ont envie de transformer, qui ont envie d'avoir, limite, leur propre émission. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vous exprimer et vous êtes là pour engager la conversation. Vous n'êtes pas là pour convenir à un tel ou un tel. Et si vous essayez de faire ça, eh bien, malheureusement, vous allez convenir à personne. Votre émission va durer 30 minutes, vous allez partir dans tous les sens, vous allez vous habiller en fonction de ce que les gens vous disent. Bref, vous allez ressembler à rien. Et dans ce cadre-là, vous ne rencontrerez pas la popularité, ou alors chez quelques personnes. Voilà. Donc, écoutez les gens, écoutez leurs remarques, écoutez leurs critiques, discutez avec, mais restez intègre à ce que vous êtes et au périmètre de votre podcast. Bien justement le périmètre, je vous propose de passer à la prochaine vidéo dans le menu juste à côté de moi qui est tout simplement le choix du sujet. Très important, comment choisir votre sujet correctement et comment définir le périmètre de votre podcast.